Hey, salut à tous les amis, c'est Oka, on se retrouve sur les Settlers 4 pour poursuivre la mission de la dernière fois qu'on avait complètement foiré final. On reprend. Donc, on en était. Donc, vous avez vu, on avait fait cette base là qui était incroyable, ça qui fonctionnait à merveille. Et on en était à faire une fonderie d'or et des mines d'or et surtout un château. Château que nous allons complètement abandonner, étant donné qu'il ne sert strictement à rien. Voilà. Parce qu'en fait, ma mission, enfin la version ratée de la mission, m'a appris que à la place du château, je pouvais juste faire une tour en fait. Je pouvais juste faire une tour, que d'ailleurs je vais faire rapidement. Et surtout, je peux me passer d'un château largement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, là il nous faut fonderie de fer, fonderie d'or et armurerie. Mais aussi, il nous faut un autre bâtiment très important, c'est qu'il nous faut une deuxième scierie. Il nous faut une deuxième scierie. Hop. J'ai un problème avec ma souris, moi. Ah, d'accord, oui, il y avait un cheveu. Il y avait un cheveu sous ma souris. C'est ce qui faisait que le laser buguait. Tac, il me faut une deuxième scierie, qui est d'ailleurs buguée à souhait, que je ne peux pas prendre. What? Je ne peux pas sélectionner la. Ah, attends, merde, je l'avais. Scierie, priorité de construction, please. Donc, priorité de construction sur la scierie. Ça, priorité de construction, oui, bien sûr, évidemment, on va le finir. La fonderie d'or. Priorité de construction bof. Ça par contre il faut. Alors là faut anticiper parce que dans à peu près 10-15 minutes une armée va venir ici. Même pas dans 10 minutes. Dans 10 minutes une armée arrive. Donc faut que j'anticipe. Pour anticiper ça, il me faut. Là toi tu vas me faire 2-3 pioches. Voilà. Pour anticiper ça, donc il faut que je fasse une autre scierie. Il faut que je fasse une autre ferme céréalière. Parce que j'en ai pas assez. Et il faut que je fasse une autre caserne et un autre système de production de soldats en fait. Voilà. Du coup, là pour l'instant, il faut que je m'en sorte avec ça. Donc voilà, fais ça en priorité. Qu'il me fasse ça rapidement, comme ça, avec ça, j'aurai deux fois plus de production de bois. Et ça va m'aider. Ça va m'aider. La fonderie d'or, elle va se faire. Donc tout va bien. Là non, je peux produire également. Et je peux produire également de l'or ici, mais on va pas le faire. On va s'en foutre un peu pour l'instant. Pour l'instant, l'important, c'est de faire ça. On va faire des armes. Il me faut des armes. Beaucoup d'armes. Donc une fois la série là terminée, je pourrais envisager de faire des armes. D'ailleurs. En passant, tu vas me refaire une armerie ici. Une fonderie de fer ici. Une fonderie d'or. On s'en bat les couilles de l'or. Tu vas me faire une armerie en fait. Voilà. Et là-haut, on va refaire également un autre bâtiment qui peut être extrêmement important, c'est la charbonnière. Parce qu'on va manquer de charbon aussi. Ça aussi, il faut le savoir. C'est qu'on va manquer de charbon. Donc là, je les ai mis juste à aplanir. J'ai pas mis de priorité de construction. Priorité de construction, please, sur la scierie. Ah, j'aime bien quand le jeu est bug, c'est formidable. Priorité de construction absolue sur la scierie, bien sûr. Évidemment. Si je peux finir la scierie rapidement, ça pourrait aider, ça. Parce que voilà, si je finis la scierie, bah, deux fois plus de bois. Deux fois plus de bois, donc toutes les autres constructions vont aller deux fois plus vite. Ça paraît logique. On va enlever la priorité de construction là-dessus. Hein. Ça sert à rien. On va d'abord mettre la priorité de construction sur la scierie. Je veux qu'il y ait un mec qui scie les bois. Et toi, tu vas me faire une récolte plus vite que ça. Je vais même te décaler légèrement ton champ. Parce que toi, si ta récolte s'arrête, on est mal. Parce que tout à l'heure, en fait, j'ai eu un problème de récolte parce que je n'avais plus de pain. J'avais plus de pain. Et plus de pain, j'étais dans la merde, quoi. Ça demande de plus en plus de charbon, vous voyez, mais j'ai plus de pain. C'est pour ça que je fais une charbonnière. Alors, une planche, tac, elle va pouvoir aller là. Ah, pour où les planches là? Apportez le bois si vous. Oui, apportez le. Oui, non, mais d'accord, ils ont laissé la priorité de construction sur la tour. Mais apportez la pierre si vous voulez, tout ça, je m'en fous, mais surtout apportez les planches, quoi, pour la scierie. Enfin, toi, elle est juste là, va la chercher. Please. Voilà. Comme ça, vous terminez la scierie. Il y en a un qui va pouvoir aller chercher sa scie qui est à l'autre bout du monde.
toi tu vas pouvoir venir ici dans ton dans ta merde dans ta tour. Voilà. On a le bois. Ah voilà. On a une scierie. Parfait. Donc maintenant, charbonnière. Priorité, charbonnière. Ils sont encore en train de la terrasser, mais priorité, charbonnière. Tac, donc là, ils vont pouvoir finir ça. Là, ils sont en train de me faire l'armurerie, donc c'est pas trop mal. Autant qu'ils m'en fassent au moins une. À savoir que toutes les armureries produiront les mêmes armes. Enfin, elles suivront le même pattern de production d'armes. Donc pratique. Très pratique. Donc là, il arrive. Grouille-toi, tape un sprint. Please, j'en ai rien à foutre, dépêche-toi. Dépêche-toi d'aller produire tes trucs. Voilà, donc lui, c'est bon. On a une tour ici, parfait. Donc là, il nous refaut des fonderies, il nous refaut du fer. La charbonnière, là, je demande à ce qu'elle soit terminée rapidement. On va pouvoir prendre les bûches ici pour les transformer en charbon. Et également, oui, également, on va me refaire une ferme céréalière ici. C'est pas très grand, les fermes, j'ai remarqué. Donc on peut les mettre là. Et on va superposer les champs. Toi, ton champ va être un peu plus dirigé vers le haut, c'est possible, voilà. On va superposer les champs. Ça a beaucoup plus de production. Ça, il me le faut rapidement. Une fois que ça c'est fait, vous allez m'attaquer. Vous allez me finir l'armurerie. Et bien sûr, vous allez me refaire une maison. Ah oui, la maison, là. Il faut la terminer aussi. Faut terminer la maison. Là, regardez, il y a des planches qui traînent. Où est-ce que vous allez mettre? Là, 7 bois. 7 bois que ça demande, ça. 6 bois que ça demande. Ça va, une planche, ça demande. Mettez ça. Ah, et vous. Voilà, là, il y avait lui aussi. Ici, allez travailler ici. Vous êtes deux. Vous allez travailler à me rendre tout cet espace praticable. Pourquoi il m'a mis un bois à la fonderie de fer et puis il n'a pas mis à l'armurerie? Pourquoi? Mais il est con. Il est con, ma parole! Alors lui, il a commencé à avancer son armée. C'est bon, il va commencer à me produire du charbon. Par contre, ça, la production de charbon va aller assez lentement, je pense. C'est pas le genre de production qui va super vite. Et là, bizarrement, il va me falloir un autre truc très important. C'est des settlers. Il me faut beaucoup de settlers. Faut beaucoup de settlers. Parce que là, j'en ai plus assez. Je vais me refaire 5 bâtisseurs pour que ça aille plus vite. Parce que là, il y a beaucoup de bâtiments qui ont des ressources. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des bâtisseurs nécessaires pour les fabriquer. Je sais pas comment ils sont répartis. Là, ils sont tous un peu à l'autre bout du monde. Est-ce que l'armurerie ici va être terminée? Parfait. À partir du moment où tout est terminé, on est bien. Déjà, ça va accélérer beaucoup plus le rythme de production.
Bon, pour l'instant, ça se gère, j'ai envie de dire. Il y a une maison qui se fait là, la ferme céréalière qui se fait là. On manque pas de charbon, là il nous faut des armes, plus vite. Plus d'armes, plus de settlers, plus de guerriers. Plus de guerriers. Est-ce que j'ai mis une autre caserne à construire? Non, j'ai pas encore mis d'autres casernes à construire. Va venir qu'il nous manque du bois, on a des planches à rabord. Il va falloir des maisons en fait. En fait, c'est ça qu'il me faut, c'est les maisons. Il faut tout en fait dans ce jeu. T'as jamais fini en fait. Le cycle des constructions ne s'arrête jamais. Alors lui, il attend quoi pour aller chercher son marteau et puis se mettre à fabriquer? Il est où? Passer de marteau chez l'outilleur, c'est ça? Si, c'est bon, ils sont pris. Ah merde, ah oui d'accord, il n'y a plus de marteau. Non. Ah merde, s'il n'y a plus de marteau, ça va, ça craint ça. Refais-en. T'as masse ressources l'outilleur, c'est bon, fais des marteaux. Toi t'as plein de fer et tout ça pour rien. Alors retourne me faire des marteaux pour les forgerons, qui eux servent à quelque chose. Ici, est-ce que j'ai toujours du pain? Le pain, ça a l'air d'aller. Est-ce que les charbons... Ah, ils sont un peu ricrac au niveau. Enfin, mais lui me produit du charbon. Il a l'air de te produire du charbon assez rapidement. Donc, tout va bien. Ça y est, lui, il s'est mis à produire. Sa première épée, enfin! Va apporter l'épée là-haut, à l'autre bout du monde, à la caserne. Bon, ça va. On est pas trop mal. Par contre, je manque de planches encore, vous foutez de moi, j'ai deux scieries. Ah, je manque de bois maintenant? Il me consomme tout, c'est ça, cet enfoiré? Oh non, vous foutez de moi. Toi, arrête ta production. Il m'en faut un bûcheron maintenant. Alors, finissons les bâtiments avant de lancer la production en masse, quoi. D'abord, finir les bâtiments. C'est plus important. Remplis-moi la tour. Je peux en refaire une là, merde. Merde. Je peux en refaire une là. Parfait. Vraiment une grosse tour là. Moi c'est dingue, chaque fois que je joue au Settler, c'est toujours en bois que j'ai du mal. Toujours pour ce qui est du bois que j'en chie. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le bois. Putain, mais dire qu'il va me falloir un bûcheron quoi, j'y crois pas. Le foutelage bûcheron, il va dératiser toute la forêt, on sera bien. Voilà, ça sera fin bien. Mais d'abord, voyez-vous de me finir. Donc ça, c'est terminé, c'est bon. Un bâtiment de fini. Donc, trois armuriers actifs, tout va bien. Là, c'est quoi? C'est la tour qu'ils sont en train de me faire. C'est parfait, faut que je me fasse rapidement la tour. La tour qu'ils sont en train de me faire. Vous allez me refaire la scierie là-bas, le bûcheron là-bas. Au moins les terrassiers ça leur fera du boulot. Les terrassiers ils y vont. Là, lui, il lui manque quelques planches. Dans quelques planches, c'est bon.
Les planches qui sont en cours de fabrication. Donc, tout va bien techniquement. Je me grouille parce que ce con là il va m'envoyer une armée de bâtards après. Là il manque plus que deux planches. Où sont les planches? Une qui arrive. Allez, vous les campez. Dès qu'il pose une planche, je la veux là-bas. Et une autre qui. Il est parti la chercher, parfait. Ils attaquent pas encore. Merde, ils ont attaqué. Ah, ils ont tué un de mes détecteurs. Les enfoirés. Les enfoirés. La tour elle est faite. La tour elle est faite, je la veux remplie. À ras-bord. Ensuite je veux plus de céréales. Plus de blé surtout. Parce que là regardez, on commence à manquer de charbon. Toi t'as tes armes, il a ses armes. Il a son or, l'or est consommé à chaque fois, mais c'est pas, on s'en fout que l'or soit consommé, ça c'est pas un problème. Lui, il manque du charbon. Lui, il lui manque tout. Lui, il a beaucoup trop de fer, mais il a pas de charbon. Il faut se dépêcher de refaire l'autre bûcheron pour que je puisse remettre la charbonnière en route. Pour qu'une fois l'autre charbonnière en route, je puisse refaire plus de charbon. Il faut également qu'il me finisse celui-là pour qu'il me remette à faire des cultures, pour qu'il se remette à faire du pain. Oui, vas-y, vas-y, il manque plus que deux planches, prends les deux planches. Une planche, elle est là, la planche. Vas-y, c'est bon, tu la portes, tu la mets. Toi là-bas, t'auras tes planches, t'inquiète pas. Mais finissez-moi au moins ça. Il a une faux, parce qu'il a ce qu'il faut en faux. Toi, l'outilleur de brin, refais-moi une faux. Merde, tu vas pas pouvoir, t'es plein, merde. Chier. Chier. Toi, refais-en deux bâtisseurs pour qu'ils aillent chercher les marteaux de l'autre, pour qu'ils soient plus pleins et qu'ils le vivent, puissent avoir une faux. Et remplissez-moi ces tours, à ras-bord. Je les veux toutes remplies. Voilà, je les veux toutes remplies de soldats. On a beaucoup de soldats, il faut que les tours soient remplies. Merde, ils ont déplacé leur armée. Oui, ça veut dire que là, ils vont attaquer par là en même temps. Donc faut pas que je bouge mon armée, moi. Faut qu'elle reste là, mon armée. Faut qu'elle reste bien groupie. Mais grouillez-vous de me faire des soldats. Plus de charbon, toi, des charbons. Le mec, c'est la panique. N'avez-vous pas compris que la guerre est à nos portes? Oui, le fermier, il est là. On a un fermier, c'est bon. On a un fermier. Fermier égale pain, pain égale charbon. Lui, je m'en fous, vous fassiez du fer. Il a déjà assez de lingots de fer comme ça. Arrêtez la production des fonderies. Arrêtez la production d'or, on s'en bat les couilles de l'or. Là, je veux des guerriers, moi. Arrêtez la production des fonderies de fer. Augmentez la production des armureries, c'est la plus importante. Ah, que le charbon aille aux armureries. Tout de suite, que les armureries soient out charbon. Out of charbon. Enfin, qu'elles soient jamais out of charbon, justement. Qu'elles soient surcharbonifiées. Oui, ça ne veut rien dire. Non, c'est la musique de guerre, ça ou pas? Non, c'est bon. Il y a une musique spéciale guerre en plus. Il ne nous marche pas encore dessus, c'est rassurant. Le cabane de bûcheron là-bas, finissez-la moi! Vous êtes en train de construire quoi? Une maison? Il y a une planche, il manque une planche! Je crois que je vais détruire cette carrière. Attends, je m'en bats les couilles. Je vais me détruire ça. Voilà, comme ça il y aura des trucs. Les carrières ne servent absolument à rien. Elles ont du pain! Vous me dynamitez les carrières. Elles ne servent à rien. La mine de fer, là, vous me la dynamitez. On a du fer, on a un rabord de fer, on a un rabord de pierre, alors c'est bon.
Le pire, il entraîne encore par terre. Alors, n'est pas chier, il en a marre. Toi, Grouton, me replanter les trucs. Il me faut de la farine. Toi, stop la production. Toi, t'as trop de trucs, t'as trop de ressources qui te servent à rien, toi. Toi, on va relancer ta production. Toi, on va relancer ta production, toi. On va relancer les productions des fonderies, allez. Merde. Voilà. C'est bon, on avait fini le bûcheron là? Est-ce qu'il a une hache? Toi, est-ce que tu m'as pro... Est-ce que t'as une hache chez toi? T'as pas de... Mais merde... Et puis il me fait des outils ce con! Fais-moi une hache. Les pelles ça, pour qui? Vous allez me refaire des mecs avec des pelles. Qui c'est qui demande une pelle? Vous, le terrassier, tu m'en fais trois terrassiers. Tu m'en fais trois bâtisseurs. Comme ça, ils iront prendre les pelles et les pioches, là. Enfin, les pelles et les marteaux. Voilà. C'est bon. Eux, ils ont une armée. Parfait. Bon. Bon, pas parfait. Non, pas parfait, justement. Oui, c'est à moitié la panique, je sais. Lui, il a dû faire un bon. Lui, il a dû faire. Vous pouviez pas conjuguer vos efforts et puis qu'il vous fasse une putain d'arme, bordel. Non, ça vous fait chier, ça. Ah, bande de débiles. Et cette leur, vous êtes un peu con des fois. Alors, la barbac, par contre, on en a des centaines. Hein. Peut-être la barbac, on en a par milliers, ça. Okay, arrête-moi un peu l'élevage de porc, en attendant. J'en ai marre. Arrête-moi un peu l'élevage de porc, pour l'instant. Il nous faut du pain. Regardez, lui, il est full viande. De toute façon, au pire, j'ai du gibier, je suppose. Regardez, c'est là qu'ils tirent toute la bouffe. Ils ont pas été chercher de bouffe chez les cochons depuis 1000 ans. Ils tirent toute la bouffe du chasseur. D'ailleurs, il est où mon chasseur? Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qui... Ah si, d'accord, il vient certainement de sortir chez lui. Merde, j'ai une armée ici, qu'est-ce qu'il fout là? Non, non, rejoignez les autres. Rejoignez les autres, please. Ah bah, il lâche des bordes de planches, là, bizarrement. Agroalimentaire, une ferme céréalière, please. Et comme zone de production, ici. Vous me faites également une maison. Une petite maison dans la prairie. Sur priorité sur celle-là et sur la ferme céréalière. Voici les priorités. Voilà, comme ça, vous allez me vider un peu le bois parce qu'on a beaucoup de bois là pour l'instant. Donc tout va bien. Le bûcheron et la sache. Tu peux arrêter ta production, toi, comme ça tes ressources vont être dispatchées envers les autres. Là, pour moi, ça a l'air d'être réglé.